Tout ne va pas si mal pour la compagnie aérienne britannique low cost EasyJet qui a inauguré lundi sa 4e base opérationnelle en Grande-Bretagne à 60 km au sud de Londres, d'où EasyJet espère transporter 800 000 passagers la première année, pour l'instant vers Ibiza, Barcelone et Faro au Portugal. Les compagnies low cost grignotent toujours des parts du marché du transport aérien en Europe et tout ne va pas si mal car parallèlement EasyJet a revu à la hausse ses prévisions de résultats pour la première moitié de l'année, ce qui fait que la perte du deuxième opérateur aérien low cost en Europe sera moins lourde que prévu. Le vecteur commun à toutes les compagnies aériennes, c'est la cherté du kérosène et certaines compagnies ont dû cesser leurs opérations. C'est le cas de la hongroise Malév ou bien encore de l'espagnole Spanair.